I'm not trying to think about becoming a star or anything. I'm just trying to do my shit. Do it right. And, you know, share it with maximum people, and maybe someday it will be lots of people. I don't know. We'll see. Mais pour moi, genre, jouer dans la rue, c'est une célébrité aussi, genre. Tu peux être célèbre dans le métro aussi. Et tu peux jouer n'importe où, dans les grandes salles, et tu es jamais satisfait, quoi. Before playing with Shakib, I used to play alone in the metro as a violinist. And there was some time, one day, an old man just stopped and was like, you know, my wife, she died some time ago, and you are like, really make me feel good right now. And he asked me for a specific piece that I knew. So I played it and he started leaving, but I saw him like just stopping on the way and looking at me and crying, but like smiling at the same time. It was really intense, and this kind of moment, I just remember why I play music, you know? Elsa. I come from France. It's been like 3 years that I live in Montreal, in the band Nomad Stones. I play violin and I do back vocals. I don't really know why I chose violin. I just remember that my father took me to like an open day of the music school of the city, where you could like just see what's going on, and there was an orchestra that was playing. I was like 5 or 6 years old, something like that. And when I came back home, I was just like, I want to play violin. And it was kind of new for my parents because we are not like a traditional music family. So they were just like, okay, we'll see what we can do. They saw me playing music, but maybe more like classical and being a teacher and being safe with all that. And they see that I'm like less conventional than this. I also tried to play with a girl who plays Jewish music and also with people who played pop music. So I'm just trying a lot of things. And yeah, now I also want to try different instruments. I think they trust me and they know that I know what I'm doing. Moi, c'est Shakib. Je suis un guitariste, vocaliste. Et j'essaie de composer dans le groupe et arranger des chansons. Je joue la guitare depuis que j'étais enfant. Ça fait maintenant genre 13 ans, 14 ans. J'ai choisi la guitare parce que dans ma situation, c'était l'instrument le plus raisonnable d'avoir. On n'avait pas une grande maison pour avoir un piano. On n'avait pas aussi, genre, je suis issu d'une famille très modeste, donc je pouvais pas acheter. Mais c'était un choix, genre, que je le regrette pas, malgré que je savais pas que c'était... Je pense que la guitare, c'est mon instrument, finalement.
mama, yeah. Oh yeah, mama, yeah. Ma teacher, on dirait in love. Oh yeah, mama, yeah. In Nomad Stones, I'm managing a bit of the organization about the booking, the planning, the all that stuff. So I take care a bit of that. And now I have a roommate who will be leaving in October, so we're like, okay, actually it's really a good way of doing this because we do everything together. I mean, we organize everything for the band and we play in the streets and everything. So if you have also to just call and meet and everything, it's a lot of things we don't need. So we are lucky to get along because it could be difficult, like 24 hours a day together. Yeah. Beau, il fait chaud. C'est bien. On a de la chance, on va jouer à la musique dans le parc. Et même les enfants. Ouais, on va déranger les enfants un peu. Non, pas déranger, c'est notre public. Ok. Tu vas chanter Le Vagabond? Je leur chante Le Vagabond? Oh oui, c'est une chanson. Ouais. De... C'est la vie qui vient, qui va, je ne sais pas d'où elle mène. Et la route qui s'en va, je ne sais où m'emmènera. À travers les plaines, à travers les monts, je vais qu'en fait, je suis un vagabond. Il se met sur les balances. Il n'y a personne, c'est à l'ombre. Ah oui, on va essayer. Ouais, genre la première inspiration pour moi, c'était un chanteur. Et c'était beaucoup plus les textes qui m'ont inspiré. Je pense que j'ai grandi dans un milieu où pour s'exprimer, il faut choisir la façon d'exprimer. Et quand j'ai écouté une chanson, ça m'a rappelé qu'il y a quand même une bonne façon pour s'exprimer, pour dire que j'aime ça et pour dire que j'aime pas ça, par exemple. Et du coup, c'était une chanson qui m'a inspiré. Mais généralement, dans ma vie, c'est la vie qui m'inspire. C'est beaucoup plus les choses qu'on le vit, genre, actuellement. قالوا المهداوي داوي وانا اللي ضالو قالوا المزاني داوي J'ai commencé la guitare dans un petit conservatoire qui était genre dans le quartier. J'ai appris quelques bases de musique, mais ça n'a pas duré longtemps avec mes études et aussi genre aussi la situation critique dont il était le quartier et le pays en général. Et après, genre, j'ai fait la musique d'une façon libre, dans les jardins, dans ma petite chambre, dans... Je crois, c'était plus académique après. I was really inspired by a man called Gilles Appap, a French violinist. He was like very, very talented in classical music as a young man. And then he got like kind of depressed because it felt like it was always the same thing, you know, playing solos, like wearing black and, you know, all the conventions of classical music. So he just dropped everything and started traveling everywhere in the world and playing with anyone he would meet. And now he's like so good in any style, Indian raga, Irish violin, country music, breaks every convention there was in the classical music and making it more accessible. Well, so that's a guy who really inspires me. I want to be able to like play anything and keep like an authenticity and a personality in it. Mm-hmm.
سالوني سالوني على حالها وانا دموعي سيلة ويدان وسرسل كدياق طريق سرنا كل حسان وسرسل كدياق طريق سرنا كل حسان J'ai commencé la musique et ma société, ma famille, ils n'ont pas accepté ça. Et j'essaye de faire comprendre les gens que finalement c'est ça ce que je veux faire et c'est ma vie. Et c'était une déception parce que il y avait deux principes qui se collent pas. Voilà. Genre avec une fin, genre algérienne, tu vois. C'est quoi une fin algérienne? Une fin algérienne, c'est tout le monde qui fait toutes les lignes, tu vois. Ah ouais, ok. Genre il y a le sax qui fait genre sa ligne, et les chœurs aussi, et le chant aussi, genre. Ouais. Ça fait genre le mix de tout le monde. C'est genre l'apothéose, quoi. Ouais. The climax. Ouais. En plus, il y a un rythme algérien qui souvent dans les fêtes de mariage, ça fait plus. Ça fait plus genre une musique jouissive que sentimentale et tu vois genre c'est pour danser. Bah oui. Bah oui. C'est le soleil qui m'inspire l'Algérie quoi. Streets, it's like really different from performing on the stage because I think it's all about expectations. You know, like people expect something when you are on stage,
Maybe it can be very good expectations, but maybe it can be bad. People on the street can't expect anything because they didn't know you were coming. So that can be good because they can be well surprised. But that can be like ignorance and everything. Je pense que jouer dans la rue, c'est un moment pas comme les autres. Même si tu as joué dans les grandes scènes, jouer dans la rue, tu peux croiser directement un enfant qui vient genre danser avec toi, ou un enfant qui vient regarder c'est quoi son instrument. Ça rend la musique trop humaine, tu vois. Genre, c'est un contact direct. C'est la meilleure école pour un musicien qui veut jouer les lives. Et finalement, c'est Elsa qui m'a proposé d'aller jouer avec elle dans le métro. Et je trouvais ça tellement intense dans la forme musicale parce que tu avances tellement et ça m'a plu. Et je pense oui, genre tu peux gagner ta vie avec la musique, mais ça dépend de quelle vie tu veux. Donc il y a plusieurs vies, je sais pas. Genre. Si tu veux être genre, je sais pas, genre. Yeah, you can't be rich playing the streets, but you can pay your bill for sure. If like you have to be kind of strategic, knowing when to play, where to play, but it's possible. والسلام على تيمبوكتو والسلام على المليه
والسلام على السودان والسلام على بغداد Before looking for attention of the other, you have to be proud of yourself. So work and know yourself. Live. Try things. Fail. Repeat. Succeed. And, you know, maybe it won't work at the end, but at least you've tried. That's how I see it. I just want to try to live from this and go as far as possible, and maybe it won't work, but I don't care.
مسال لي انغزال دور لي دور وانا شافيا ليالي ما يدومو ليا ولا يدوم الفاني دور لي دور وانا شافيا ليالي ما يدومو ليا